Bienvenue au Labandou Fantastique! Fantastique. Les chars, c'est magnifique, mais comment on les fabrique? Comme ça. Le Labandou Fantastique ouvert. Merci et soyez tous les bienvenus pour ce morceau de folie qui est le plus grand, qui est le plus beau de toute la Côte d'Azur. Ex aequo avec vous. Boulogne-sur-Mer qui a ouvert le tourisme de notre commune. Sans Boulogne, on ne serait pas grand-chose. Ce sont nos amis pour la vie. Merci à Boulogne, bravo à Boulogne. Je vous souhaite à tous une après-midi inoubliable, un morceau fantastique, des moments qui font vraiment du soleil dans la tête et dans les cœurs. Merci pour le Labandou, vive la fête. Ils vont nous inviter à rêver dans un instant. Merci beaucoup Didi, bonne route et rendez-vous encore pour des siècles et des siècles.
c'est la jeunesse qui est l'avenir aussi de la commune. Et en voici un magnifique. Le chat, ici représenté, qui apparaît dans les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, prend une autre dimension. Regardez l'effort qui a été fait, bien sûr, à travers ses créateurs. C'est le char des gendarmes de la brigade de Borne, le Lavandou, que nous allons faire souffler, bien sûr, après le défilé, c'est une évidence. Mais ce chat est absolument magnifique. Voici le char de la section football. SOL Football, SOS Football, le cirque fantastique. Quand il nous emporte bien loin de nos tracas du quotidien, le cirque est fantastique et on vous le prouve avec les petits et les grands là aussi. Les jongleurs, les trapézistes, les clowns, les amuseurs et leurs numéros qui font rire, pleurer et changer l'humeur des gens. Comment se passer du cirque ?
Alors, on vient du département des Vosges. Et c'est la première fois qu'on vient à, ici à votre Corso Fleuri, qui est très très magnifique. Une édition exceptionnelle comme tous les ans. Wonderful, very nice, really good, nice atmosphere. Qui parmi ses nombreuses œuvres évoquait donc ce monde fantastique à travers ces bateaux imaginaires où les voiles ont été remplacées par des papillons. Le bateau ailé, une réalisation, tenez-vous bien, en 10 000 fleurs, réalisée sous vos yeux. Applaudissements. Alors pour le corso du Lavandou, qui est un des plus beaux corsos, nous présentons notre char, qui est le char sac à savon, le gentil dragon de la forêt des merveilles. Donc voilà, nous sommes en train de fleurir. Bon, bien sûr, il faut des fleurs de couleurs différentes. Nous faisons un dégradé de couleurs et nous suivons strictement le modèle. Et c'est ce qui donne toute la valeur au char, ce sont les couleurs. Nous travaillons déjà depuis ce matin très tôt et nous en avons pour toute la journée pour fleurir. Mais nous espérons que ce sera super beau. Le gentil dragon de la forêt des merveilles qui sauve Bijou, le petit fan de la noyade. Heureusement qu'il était là et le voici éternel sous vos yeux. On salue l'association de boulistes avec son président et toute son équipe, Christian Moriconi. Les fleuristes, bien sûr, le fleurissement qui a été réalisé par toute l'équipe mixte du club de boulistes. Bonjour, je m'appelle Manu et je suis constructeur de chars depuis 14 ans. Cette année, avec toute une équipe, on a formé 4 chars. Donc celui-là qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est le char du Lège, du Lavandou Espace Jeune. Le temps réel, on va dire 15 jours, 3 semaines pour réaliser celui-là quoi, entièrement. Franchement, il y a eu un grand élan aujourd'hui. Je me suis éclaté et je dis bravo à tous ces petits qui sont venus fleurir. Et qui sont venus par plaisir et qui ont mis la main à la pâte. Et c'est la relève, voilà. Moi, je dis bravo à toute cette équipe, une équipe formidable, voilà. Thank you.
on a passé à peu près un mois dessus, à deux personnes. Après, il y en a des gens qui venaient de temps en temps pour nous aider, pour faire la structure, parce que les gens qui vont venir au Corso verront que le côté fleuri des choses. Mais en vérité, derrière la structure, et c'est très important, c'est le plus important, et là, il y a du travail, parce qu'on ne se rend pas compte une fois que c'est fleuri, mais il y a énormément de travail, de soudure, de tendre le fer, de choisir le bon côté, on casse, on refait, et ainsi de suite. Voilà. La présence de la ville de Boulogne-sur-Mer ici au Lavandou vient du fait que le maire du Lavandou, M. Bernardi, est très ami avec le maire de Boulogne-sur-Mer, M. Frédéric Cuvillier. Pour nous, c'est une première parce que c'est une tradition locale du Sud. Nous, on n'avait jamais fait de Corso fleuri. La symbolique du char que nous présentons ici au Lavandou aujourd'hui, en fait, représente deux personnages éminemment importants du folklore boulonnais. Baptiste et Isabelle, qui est un pêcheur de Boulogne, et son épouse s'appelle Isabelle, et qui a comme coiffe ce qu'on appelle un soleil boulonnais au-dessus de sa tête. Je te signale que tu es attendu à l'apéro, mon ami. Association des amis du quartier de la gare, sympa, bonheur, extraordinaire. Donc l'association des amis du quartier de la gare a été créée en 2006 par 8 personnes dont le président était Joël Testa. Elle a été créée que pour faire un char. C'est actuellement le 12e char que nous avons fait. C'est le 6e char de la reine. Sur 12 chars, on a fait 6 de la reine. Puisque il faut que les gens comprennent. L'année d'après, on ne peut pas faire sur de la reine. Je ne parle pas avec les mains, je ne suis pas italien. C'est le 6e char que je fais avec les amis de la gare. Et c'est le 9e char de la reine que je fais depuis que je fais des chars. Depuis. Ça y est, t'as fini ? T'as fini là ? Non, j'ai pas fini. Cette magnifique édition, rendez-vous l'année prochaine. Nous devions être à la hauteur du Lavandou. Et j'avais prévenu les équipes que le Corso, ça n'est pas anecdotique. Le Corso, c'est votre tradition. Le Corso, ce sont vos racines. C'est tout ce qui fait la chaleur d'une collectivité, d'une communauté, ce qui en fait la générosité
Et ce qui fait que nous avons à la fois plaisir, bonheur, et que c'est très rassurant, par les temps que nous connaissons, de pouvoir voir que l'amitié triomphe et que dès les premiers contacts, nous poursuivons cette belle histoire, cher Gilles. Mieux que ça, c'est impossible. C'est vraiment un moment inoubliable. On a perdu tout, la voix, le reste. Bon. Mais très bon, vraiment. Les gens heureux, tout était bon. Char magnifique, soleil. On vient de Lille et on trouve ça très beau, très joli. On les voit beaucoup, c'est très intéressant. C'est toujours aussi beau, aussi remarquable. C'est, au niveau des chars fleuris, je pense que c'est un des plus réussis de la côte, peut-être le plus beau de toute la côte. Bonjour, je viens de l'Isère, on vient entre copines du pays de la Chartreuse et on trouve le Corso magnifique, le plus beau du monde. Bah, c'était tout simplement superbe. Nous venons des Vosges, magnifique avec ce soleil, rien, vraiment magnifique. Quel travail, quel travail. Alors moi je viens de Saint-Étienne et c'est la première fois que je viens au Corso du Lavandou et j'ai trouvé ça extraordinaire. On est joyeux quand on voit ça, enfin, c'est rigolo quoi, c'est marrant. Et que c'est encore plus sympa que d'habitude, je trouve qu'il y a encore plus de couleurs, plus de fleurs, les chars sont magnifiques et à mon goût encore les maires sont un peu fous aussi je crois. Christian Simon, le maire de l'Acro, la présence de Monsieur Cuvillier et puis Monsieur le maire du Lavandou qui je crois encore bien morflé cette année. Ambiance merveilleuse, du soleil. J'habite à Angleterre, dans le sud, c'est fantastique à Lavandou.